Bien, bonjour à toutes et tous. On lance le séminaire et la journée d'études sur le CERM, le Centre d'études et de recherche marxiste, pardon. C'est la deuxième séance, on va dire, du séminaire animé par la Fondation Gabriel Péri, par l'Université de Bourgogne et l'Université de Rouen. Cette fois-ci, elle avait lieu à l'Université de Rouen. C'est notre séminaire et là, une journée d'études un peu plus longue, plus importante sur un grand travail qui a été mené sous l'égide de Jean Dumas, l'indexation des cahiers du CERM, c'est-à-dire comment, en fin de compte, le Centre d'études de recherche marxiste entre 1960 et 1979, fondé à l'initiative du PCF, a été un lieu de création intellectuelle, de recherche, d'élaboration et qui ont donné lieu et qui a donné lieu à des publications régulières. Et donc l'idée qu'on avait eue avec la MSH, c'était de mettre en œuvre un programme de numérisation de protection féodale et classe sociale et système précapitaliste par Villard et Parrain. On peut aussi avoir les enjeux sur l'Afrique, donc toujours la vision allant sur d'autres modes de production et s'intéresser non seulement aux logiques, je dirais, européenne, mais aussi de l'impérialisme et de tous les enjeux du colonialisme, ou alors des choses plus économiques, hein, sur l'histoire économique de la France, qui était là par Maurice Bouvier, sur oui, cette histoire économique et sociale. Bon, on a plein d'autres numéros. L'ensemble a été numérisé, l'ensemble a été indexé, et vraiment, je remercie l'équipe d'ADN. Archives, documentation, numérisation, la plateforme de la MSH, et puis tous les collègues qui ont participé afin, bien sûr, d'en faire une exploitation scientifique. Donc, la journée d'études permettra non seulement de revenir sur cette indexation, j'en dirai peut-être un mot, puisque Yann Marjoric n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, tout simplement pour des logiques d'emploi du temps, etc. Mais il m'a fait passer une petite note, c'est-à-dire que soit on commence par ça en attendant l'arrivée de Pierre Boichu, parce que je ne sais pas si Pierre est arrivé, Encore. pas encore. Donc, je vais peut-être faire cette petite note, rappeler ces enjeux. En fin de compte, il y a eu 165 numéros des cahiers du Centre d'études et de recherche marxiste qui ont été numérisés, indexés et qui vont être mis en ligne d'ici le printemps de manière générale sur le site Pandore de la MSH Dijon. Donc, bien sûr, c'est une ressource essentielle pour aborder le marxisme et le volet intellectuel et théorique du Parti communiste, témoignant bien sûr d'une diversité des approches rendues possibles, je dirais, par un travail collectif et non pas simplement singulier. Et c'est là aussi l'intérêt de cette mise en ligne, bien sûr, de ces cahiers. Cahiers qui ont pu donner aussi naissance après à des ouvrages, hein, que l'on peut retrouver facilement, me semble-t-il, dans les bibliographies sur le sujet. Autre aspect, ces cahiers seront publiés par un instrument de recherche qui donnera les grandes thématiques du CERM. Et on peut dire que à chaque cahier, et ça c'est le travail de Yann, mais aussi avec les collègues et l'équipe que Jean Dumas avait menée, je pense aussi aux interventions de Roger et d'autres, comment on avait repéré des mots, comment on avait repéré une logique d'indexation, et cela permet, par ces mots-clés, de voir grand 8 thématiques qui se dégage nettement à l'intérieur des cahiers du CERM. On a évoqué là à l'instant l'économie, on a évoqué également l'histoire, mais c'est aussi la philosophie, la psychologie, la littérature, et on y reviendra avec François Borde d'ici peu, me semble-t-il, la sociologie, bien sûr, la science politique et plus globalement le marxisme. Donc l'indexation qui a été faite s'est proposée non seulement d'offrir, pardon, à toutes et tous une vision exhaustive des personnalités citées, pas simplement des auteurs, mais aussi des personnalités citées, des œuvres citées, et donc d'offrir un panorama de toutes les sources qui étaient utilisées au sein du CERM et, je dirais, par cette équipe d'intellectuels qui participaient aux travaux du CERM. On peut aussi l'inscrire dans les temporalités, hein, années 60, années 70, dans les moments
où se font ces travaux. On constate que le CERM a été à l'écoute de son temps en s'appuyant régulièrement sur les travaux de Lacan, de Lévi-Strauss, retour à Freud aussi. Bien entendu, on retrouve les références aux classiques du marxisme, Marx, Engels, mais aussi Hegel, mais d'autres intellectuels, et je pense aux travaux sur Gramsci, qui sont revisités et repris par le CERM. Donc, tous ces livres cités dans les cahiers du CERM ont été indexés et permettront de voir la circulation des idées, la circulation des œuvres, comment, en fin de compte, on apprécie les théories, comment elles sont revisitées, comment elles sont réactualisées, voire réifiées, pour reprendre un vocabulaire de l'époque. Bien sûr, il faut noter qu'à travers ces cahiers et débats du CERM, on a des logiques d'appréhension aussi du socialisme réel, de l'économie des démocraties populaires, que ce soit en Pologne, que ce soit en Union soviétique, que ce soit aussi au Vietnam du Nord. Et c'est intéressant de voir ces comparaisons parce qu'elles invitent à comprendre aussi les enjeux nationaux et pas simplement des enjeux d'un modèle qui serait le même partout. Et puis, le dernier numéro de la série, intitulé Savoir et pouvoir, le marxisme est-il totalitaire, est assez intéressant parce qu'il entre en résonance avec des débats engagés à la fin des années 80 sur la nature totalitaire des idéologies et en particulier du socialisme dit réel. Et cela nous invite aussi à tirer le fil peut-être jusqu'à nos jours, hein, puisque j'ai cru comprendre que d'aucuns étaient encore totalement attachés à cette lecture totalitaire. Donc, pour conclure, la mise en ligne de ces cahiers du CERM constitue une étape importante dans la reconstitution du panorama marxiste français et nous permettra, du fait de la richesse des thématiques travaillées, pardon, de nourrir là encore la réflexion et de mettre à disposition d'un plus grand nombre, hein, c'est-à-dire non seulement de la communauté scientifique, mais aussi de tout citoyen ou toute citoyenne qui s'intéresse à ces questions, par la mise à disposition donc sur le site Pandore de l'AMSH de Dijon, grâce à un financement de collectes percées, hein, puisque c'est dans le cadre de la labellisation des collections d'excellence de la BNF, et en particulier autour des critiques sociales, dans le cadre du projet Abricot, Archives, Brochures, Indexation communiste, eh bien que les cahiers du CERM seront mis en ligne. Alors, c'est notre deuxième journée d'études. On a avancé depuis, bien sûr, la première, puisque tout a été numérisé. Et ce matin, on va écouter Pierre Boichu, les archives départementales de Seine-Saint-Denis. Pierre est Pierre, arrivé. il est arrivé, c'est bon, Il est là. et il m'entend. Voilà. Et il a entendu ce que j'ai dit pour l'instant, c'est bon? Il n'a pas Pierre. entendu parce qu'il vient juste d'arriver. Pierre, bon, alors Pierre, désolé pour ces temporalités un peu différentes, variées et ce retard. Peut-être que je vais te laisser reprendre ton souffle avant que tu n'interviennes, si tu veux. Et on pourrait commencer par François Born, hein, on n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre, et l'un et l'autre selon le programme qui est défini. Je vais peut-être donner alors la parole tout de suite à François Born, si tu veux, si tu n'es pas encore prêt, Pierre, ou si tu es prêt, tu peux y aller, simplement pour te présenter. C'est bon, Pierre, tu veux intervenir maintenant ou tu vas attendre un Préfère peu? intervenir en deuxième? Tu préfères un deuxième? Ou sinon j'interviens maintenant, mais j'avais quelques diapos à passer, enfin 3-4 images. Eh bien, c'est 3-4. Eh bien, Même sur mon ordinateur, donc. le temps que tu t'installes, je vais donner la parole à François Borde de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, hein, l'IMEC, qui va nous apporter des éléments récents et nouveaux, me semble-t-il, sur le CERM, et qui, alors lui, intervient depuis Caen. Bon, c'est pas très loin de Rouen. Et puis, du coup, on va essayer de revenir dans cette première partie sur les archives et aux sources du CERM, c'est-à-dire de comprendre, en fin de compte, comment est né ce centre d'études et de recherche marxiste, quels étaient les réseaux, quelles étaient les affinités, quels étaient les acteurs. Et dans la journée, hein, on y reviendra à d'autres moments donnés, avec les témoins, avec les acteurs, les témoignages de ceux qui ont participé, qui ont construit véritablement ce CERM, avec Étienne Balibar, avec Jacques Guillaumou et Ali Benarous.
table ronde qui sera animée cet après-midi par Roger Martelly et qui est présent à Rouen, je crois. Hein. Roger, tu es... Oui, ça y est, je te vois. Super. Donc, c'est lui qui animera cette table ronde, puisque l'idée aussi de ce séminaire n'est pas simplement de travailler sur les archives en tant que telles, mais de faire participer les témoins, non seulement pour reconstituer les réseaux, non seulement pour comprendre aussi eh bien, l'intimité en quelque sorte, ou au moins l'effet de groupe et l'effet également de réseau qui pouvait exister, et puis les confrontations intellectuelles qui pouvaient exister et redonner sens à tout cela, chose qu'on n'a pas forcément dans les cahiers tels qu'ils pouvaient être publiés, c'est-à-dire de toujours penser aussi bien sûr la dimension humaine autour de ces grandes entreprises intellectuelles. Et puis voilà, j'en ai trop dit. François, à vous la parole pour l'IMEC. Oui, merci. Alors, je n'ai pas l'image hein, en raison de la bande passante. Je voulais vous dire combien j'étais très heureux de cette invitation hein, lancée par Jean-Dumas Ducange de Rouen. Et je vais peut-être dire quelques mots de présentation du projet de l'IMEC tout d'abord. Et puis, je vous proposerai une présentation, une petite promenade, en fait, dans les ressources sur l'histoire des marxismes, telles qu'on peut les trouver dans les ressources de l'IMEC. Donc voilà, j'ai malheureusement pas pu venir à Rouen pardon, pour des raisons de pratiques logistiques et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler directement ensemble. D'abord quelques mots peut-être, dites-moi, parce que j'avais prévu plutôt une table ronde, hein. Jean, dites-moi oui, quelques mots quand alors, même de présentation voilà, de l'IMEC. Oui, bien sûr, quelques mots sur l'IMEC, quelques mots sur les fonds que vous possédez concernant le CERM, bien sûr, et puis au-delà de ces fonds, bah, quelques nouveautés, je crois, d'après ce que Jean-Dumas voilà, oui. m'a transmis. Hein, j'avais promis à Jean-Dumas, effectivement, de trois annonces de, voilà. Mais d'abord, que je réservais. Alors peut-être, voilà. Est-ce qu'il serait possible que je puisse partager l'écran? Normalement, oui, tout intervenant peut partager l'écran. Vous avez en bas « Partager l'écran okay. » et vous pouvez le faire. D'accord, parfait. Alors, juste une petite seconde que je puisse m'en assurer. Voilà. Vous voyez, vous avez la petite flèche en bas, partager verte, partager l'écran. Voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est bon ? Parfait, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, je coupe mon son, moi. Voilà. Et vous voyez bien, c'est parfait. Quand je scrolle, vous pouvez voir sans problème. C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, très bien. Alors, bon, quelques mots pour vous présenter l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses qui le pratiquent et le connaissent, donc je serai assez bref. C'est un institut d'archives fondé en 1988 par des chercheurs et par des éditeurs dans la mission première de sauvegarder le patrimoine des maisons d'édition, des revues et très rapidement aussi des auteurs, bien sûr, hein, autant des auteurs, des écrivains, de la littérature, que les sciences humaines. Peut-être dans la discussion et dans l'échange, je vous montrerai un petit peu comment fonctionne le nouveau site hein, qu'on a lancé il y a quelques mois. Les archives, donc la collection de l'IMEC s'organise suivant un cadre de classement en auteur et édition, association, organisme, revue, presse, et c'est en auteur et dans la sous-catégorie philosophie et sciences humaines que on va trouver de nombreux auteurs
marxiste, directement lié au marxisme, naturellement, puisque l'IMEC, l'ensemble des collections de l'IMEC reconstitue tout un pan de la vie intellectuelle, culturelle française, et donc avec un grand massif dans les années, dans le second XXe siècle, et donc naturellement, les époques où le marxisme était absolument fondamental dans la production et dans la vie culturelle, dans la vie intellectuelle et politique. Voilà. Bon, peut-être je reviendrai, s'il y a des questions, je passe très, très vite sur... sur l'IMEC, hein, sur l'histoire, je pourrais y revenir, pour rentrer plus précisément dans ces questions, dans ce, le périmètre du marxisme à l'IMEC. J'ai identifié, alors naturellement ce sont des catégorisations ouvertes à la critique, et parce que quand on fait des listes, j'ai quantifié à peu près 36 fonds d'auteurs directement ou indirectement liés à la question Marx, hein, le livre prénom Karl non Marx, Marx prénom Karl, on pourrait dire qu'il y a la catégorie Marx dans les archives. Le premier donc, c'est celui qui vous intéresse en premier, naturellement, celui du CERN, et on pourrait dire une constellation CERN qui tourne naturellement autour des archives d'Althusser. Dans l'histoire de l'IMEC, mais je crois que je n'apprends pas grand-chose, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, le moment de la parution de L'avenir dure longtemps, puis des écrits philosophiques d'Althusser est absolument clé, absolument fondamental, hein. C'est dès 1991, donc l'IMEC est tout très récent à cette époque-là, que les archives d'Althusser sont déposées et que le choix est fait par le directeur de l'époque, Olivier Corpé, et par l'ayant droit d'Althusser de publier, hein, avec bien sûr toute la collaboration de François Matron, Étienne Balibar et de beaucoup d'autres proches de Louis Althusser et aussi naturellement de Yann Moulier-Boutan. Donc cette premier ensemble, cette première constellation, elle tourne autour d'Althusser et du continent Althusser, et naturellement le CERN est très présent. Donc là je vais vous montrer. Je pourrais aussi faire une... Voilà. Il y a un ensemble bien déterminé dans le fond Althusser, autour du CERN, hein, Louis Althusser et les institutions du Parti communiste français, avec plusieurs dossiers autour de ses relations avec le CERN, et on trouve tout autant des invitations, des correspondances, que des interventions, par exemple lors de la fête de l'humanité, et puis vous trouvez, voilà, la correspondance, en particulier avec Lucien Sèvres, Guy Besse et Émile Botticelli. Autant d'éléments qui permettent de nourrir cette histoire, histoire qui est principalement intellectuelle, mais aussi politique, hein. Les éléments qu'on trouve dans le fond Althusser sont de tous ces ordres-là. Je vous... Alors, excusez mon ton un peu hésitant, mais je jongle avec les écrans. Il n'y a pas de souci, voilà. Hein, ne t'inquiétez pas. Voilà. Donc, le fond, la fiche fond est présentée de cette façon-là. Le fonds Althusser est et reste un des fonds de sciences humaines les plus consultés à l'IMEC. Et il est extrêmement consulté nationalement et
Internationalement, on a pu constater en 2018, lorsque nous avons été partenaires d'un colloque de Cerisy, notre partenaire de Cerisy, combien il y avait un dynamisme autour des études althusseriennes, hein, et un dynamisme international, hein, vraiment, avec beaucoup de jeunes chercheurs. Donc ce fonds est très nourri, c'est vraiment en soi, on pourrait dire, un continent, parce que non seulement il y a tout ce qui concerne la production d'Althusser lui-même, mais il y a aussi de vraies sources pour construire une histoire du marxisme, puisque lorsque vous voyez... l'affiche est ainsi faite, donc ça c'est l'affiche fonds sur le site, et là on a une bascule sur notre moteur de recherche, donc Mnésis, et on peut consulter à la fois l'instrument de recherche donc en ligne et la bibliothèque personnelle. Hein, la bibliothèque personnelle d'Althusser qui est classé, ben vous voyez le plan de classement de cette bibliothèque, y compris aussi, elle contient une bibliothèque de revues. C'est un document donc qui est en accès libre et qui permet de cartographier, de mesurer, de sourcer tout le travail intellectuel d'Althusser et donc tout un moment de la pensée marxiste de l'époque. Autre élément aussi en accès libre, bien sûr, c'est l'inventaire qui avait été constitué. C'est un travail monumental, hein, enfin, qui a été constitué avec, par François Matron avec Sandrine Sanson et qui contient, voilà, l'identification, et puis bien sûr le plan de classement. Voilà. C'est-à-dire que comme à l'IMEC, nous conservons des archives littéraires, que ce sont des archives privées, la logique fait que pour chaque fonds, nous constituons, chaque collection, nous constituons un cadre de... un plan de classement, pardon, un plan de classement qui est... principalement centré, vous le voyez, sur les textes, hein, sur l'œuvre qui vient souvent en premier, et puis on trouve tout autant tous les textes autobiographiques, la plupart, et beaucoup en tout cas, ont été publiés, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses, et en particulier aussi dans tout ce qui est notes de lecture, voilà, et puis tout ce qui nourrit aussi, tout ce qui a nourri et continue de nourrir le travail biographique réalisé autour d'Althusser. Et puis vous pouvez trouver aussi des corrections d'exposés, dissertations, ce qui est toujours important de voir les pratiques de professeurs aussi, hein, bien sûr, et une correspondance qui est extrêmement riche, tant d'un point de vue personnel qu'un point de vue intellectuel. Et elle permet là aussi de cartographier. Il y a actuellement, par exemple, un projet de publication de la correspondance entre Louis Althusser et Jacques Derrida, entre autres. Hein, et voilà. Voilà, je continue. Alors, c'est un peu étrange, hein, excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de... Il n'y a pas de souci, pour l'instant tout se passe bien, n'ayez crainte, très bien. Voilà. Ça permet bien de comprendre l'ampleur, hein. Bien sûr on la connaissait, mais pour tous ceux qui suivent le séminaire, l'ampleur de l'IMEC et des ressources mises à disposition et qui rencontrent bien sûr totalement les enjeux d'une étude sur le CERM. Voilà. Voilà, alors sur le CERM lui-même, donc dans les archives d'Althusser sont vraiment un continent à explorer, tant du point de vue archivistique que du point de vue proprement bibliographique. Hein. Si on étend un peu la constellation, cette première ensemble CERM, Althusser et
grande proximité avec le parti communiste. Je dis, bien sûr, il y a les archives de Pécheux qui viennent compléter et puis qui viennent nourrir aussi. Hein, on a aussi là des projets de recherche et même de publication. Hein. Et puis, quelque chose d'un peu particulier, peut-être, je ne suis pas spécialiste de l'histoire du CERM, mais peut-être que cela recoupe ou que cela s'éloigne. Il me semble que c'est quand même des points de jonction. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un ensemble qu'on pourrait dire les psychanalystes du Parti communiste, proches du Parti communiste, dont les archives se trouvent aussi à l'IMEC. Je pense au premier chef à Bonafé, et puis aussi, alors c'est pas un marxiste, mais il a été au PC, et c'est vraiment constitutif de sa pensée, donc c'est pas, et en tout cas de sa vie, c'est Fernand de Ligny, hein, qui, d'ailleurs dont on retrouve aussi des traces dans les archives d'Althusser, puisqu'il y a une grande, évidemment, résonance entre les fonds à l'IMEC, comme vous le voyez là, d'ailleurs, sur la fiche, on fait dans chaque fiche, alors là, pour parler un peu cuisine, je sais que j'ai des experts qui sont là, on fait aussi des relations avec d'autres fonds. Hein. C'est, vous voyez, dans la fiche d'Althusser, dites-moi si vous ne voyez pas. Hein. On voit très bien. Voilà, et... on met en fait ce qui rebondit, ce qui circule, les réseaux, ce qui permet de reconstituer les équipes. Exactement. Et c'est génial. Ça nous permet une histoire sociale et collective et qui n'est pas simplement une histoire singulière, même si le singulier rencontre le collectif, qu'il y a une tension entre les deux, mais ça permet cela. Oui, parfait, merci. C'est génial. Voilà, et ça vraiment, c'est, on y tient beaucoup, et je pense que dans la complexité, enfin dans la complexité de l'approche, c'est vraiment très riche et vraiment on fait des découvertes surprenantes. Je peux vraiment vous en parler d'expérience. Moi, j'ai travaillé sur Kostas Papaioannou, donc a priori quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Althusser, mais pas du tout. C'est-à-dire que quand on voit les archives et quand on voit la bibliothèque, on voit qu'il y a tout à fait des échanges, des envois d'articles, et donc ça permet de reconstituer aussi des réseaux de sociabilité ou en tout cas des réseaux intellectuels, même s'ils sont dans la confrontation ou dans le dissensus, tout à fait riche et tout à fait important. Hein. Voilà. Et ça, on essaie de le faire pour tous les pour tous les fonds. Enfin, c'est pas qu'on essaie, on le fait pour tous les fonds. Alors, bien sûr, peut-être qu'il parfois on en a oublié un ou qu'il faut réactualiser. Mais en tout cas, on le fait et nous y sommes très attachés parce qu'on essaie de reconstituer vraiment tout un pan d'une époque et tout un pan d'une pensée, d'un moment intellectuel. J'en reviens à Deligny et à ses... alors, ce n'est pas non plus un psy, mais enfin, c'est quand même dans l'approche hein, des questions de pédopsychiatrie et de psychologie, pour le dire très généralement. Et puis, un troisième auteur vraiment important, alors, attendez. C'est-à-dire que si l'école n'avait pas fermé, j'aurais pu être. C'est-à-dire que si les écoles n'avaient pas fermé, j'aurais pu être en présence avec vous. Je vais remettre un petit peu ma caméra. Oui, voilà. Non, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ce livre, c'est Tony Lainé. Le défi de la folie. C'est un livre qu'on a publié en partenariat éditorial et un livre qui s'appuie vraiment sur les archives et sur bon, la littérature grise hein, aussi qu'on retrouve dans les archives et qui permet de reconstituer, de montrer l'importance de tout le travail de critique, de réflexion, de production, à la fois en termes directement psychanalytiques, pédopsychiatriques, mais aussi en termes citoyens, en termes d'engagement citoyen. Tony Lainé était un militant communiste voilà, c'est aussi une dimension qui est présente et quand on va dans le sur
le site de l'IMEC, c'est aussi des rebonds qu'on peut faire, et ces archives viennent nourrir et viennent redonner viennent nourrir naturellement les questions du présent, hein, je pense. Par exemple, là, on vient de republier des ouvrages de Toskiyès, et on voit bien l'importance de ce courant, et de courant marxiste, hein, marqué par le marxisme. Toskiyès a été proche du POUM, Tony Lainé, lui, donc, était au Parti communiste, et ça appartient vraiment pleinement à cet ensemble, vraiment pleinement, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans ces archives, dans les archives de Tony Lainé, on peut trouver aussi des documents militants, voilà. Voilà pour ce premier ensemble. Merci beaucoup. J'ai encore un peu de temps ou... Oui, pas de souci. Allez-y. Ok. Non, simplement pour dire aussi qu'il y a ensuite, on peut identifier deux autres grands ensembles, moins directement liés au CERM, c'est celui des intellectuels marxistes. Alors qu'on disait dans les années 60 le marxisme révisionniste, mais même si c'est une catégorie datée, aujourd'hui l'expression peut être marxisme hétérodoxe, mais en tout cas c'est des grandes figures de la pensée marxiste, quelques noms très très rapidement. Bien sûr, les archives d'Alain Badiou, hein, qui sont à l'IMEC, les archives aussi de Lucien Goldman, de Félix Guattari, de Dionis Mascolo. Pour ceux qui on pourrait aussi ajouter des figures plus philosophiques, mais qui aussi se sont confrontées à la question Marx, hein, je pense à la Coulabart, qui a un cours sur Marx qui est en cours de préparation d'édition, et puis des intellectuels qui vont avoir un rapport avec plus ou moins proche avec le Parti communiste, je pense à Palmier, à Rodinson, et puis bien sûr à Jean-Pierre Vernant. Enfin, il y a une catégorie qu'on pourrait appeler de marxiens, de marxologues, de personnes, d'intellectuels, de philosophes principalement, s'inspirant de Marx, partant de Marx, allant parfois au-delà de Marx, ou pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, puisqu'il appartiendrait à cette catégorie, avec et contre Marx, je pense là aux archives de Miguel Abansour, hein, au fond aussi, une partie du fond de Costas Axelos, de Jean Baudrillard, d'Yvon Bourdet, les archives de Castoriadis aussi, hein, de Cornelius Castoriadis, celles de François Châtelet, mais tout autant celle de l'auteur de Spectre de Marx, bien sûr, hein, Jacques Derrida, et puis des argumentistes, hein, il y a Joseph Gabel, Jean Duvigneau, Joseph Gabel qu'on redécouvre d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des projets de réédition, Costas Papayoannou aussi, et puis d'autres penseurs. On pourrait même aller jusqu'à citer le nom d'un anti-marxiste, mais qui a été élève d'Althusser, hein, qui était plutôt structuraliste au départ de sa trajectoire et qui s'est fait connaître par un livre qui s'intitulait Marx est mort, hein, c'est Jean-Marie Benoît. Voilà, j'arrête ici ma liste qui n'est pas à l'après-verre, pour vous annoncer aussi que nous sommes très heureux d'accueillir trois nouveaux fonds autour de la pensée marxiste et de la pensée de Marx. Les archives de Daniel Ben Saïd ont rejoint les collections de l'IMEC. Celle aussi de Tony Negri, qui viennent vraiment juste d'arriver, et vous avez la primeur de l'annonce, nous venons d'intégrer les archives d'Henri Lefebvre.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces informations et bien sûr le côté scoop annonce que vous venez de nous faire. Mais au-delà de ça, ça renvoie effectivement à l'accès aux archives hein, et aux possibilités d'accès à ces archives. Comme tous les instruments de recherche que l'on travaille, et puis j'imagine que... d'ici peu, Pierre Boischu reviendra sur les instruments de recherche. On pourrait peut-être faire une remarque, me semble-t-il, mais elle est constructive, hein, c'est dans ce sens que je pose la question. C'est les renvois qui sont faits, ils sont internalistes, si je peux dire, c'est entre l'IMEC et ce qu'il y a à l'IMEC, mais ils ne sont pas forcément renvois ailleurs. Je pense en particulier sur les fonds là, que vous venez de présenter, on pourrait avoir un renvoi aux archives du PCF, un renvoi aux archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny sur les fonds qui précisent aussi les questions du CERM, les questions des philosophes, etc. Peut-être que dans un monde idéal, on arriverait à avoir un peu tous ces aspects. Mais c'était juste une transition pour donner la parole à Pierre Boischu. Juste pour vous répondre quand même. Oui, mais parce que je pensais qu'on allait faire la discussion tout d'accord, après. D'accord, okay. Mais c'était comme ça, ça faisait... Mais allez-y, il n'y a pas de souci. Non, c'est pour vous dire qu'effectivement, on le fait, mais c'est une autre catégorie. Cette description-là sur Mnésis, elle existe pour d'autres fonds et effectivement la catégorie relation avec d'autres fonds, c'est d'autres fonds de l'IMEC. Il y a une autre catégorie, je pourrais vous en indiquer, où on fait, alors c'est plus de l'ordre du renvoi bibliographique ou quand il y a dans une autre institution. D'accord. Voilà. Très bien. Non, mais attention, hein, y a pas de... Oui, non, mais c'est pour expliciter le... Voilà. Mon propos, il était juste hein, dans une logique de partage, de coopération, voilà, dans un enjeu de construction collective et collégiale des savoirs. Merci beaucoup pour cette première intervention. On y reviendra, j'imagine. Il y a des questions et j'en vois qui apparaissent déjà sur la conversation de notre lien Zoom. Pierre Boischu, donc des archives départementales de Seine-Saint-Denis, qui gère les fonds du PCF de manière plus importante, qui a un suivi là-dessus. Pierre, tu interviens aux sources du CERM, mais tu peux aussi partager ton écran si tu as besoin. À toi. Alors, je montrerai quelques photos en fin d'exposé. Peut-être, Jean, pendant que Pierre fait ce travail, on aurait pu faire une présentation des présents, au moins, qui sont là, parce que personne ne s'est présenté. Eh bien, on peut faire un tour si tu veux, Serge, pas tout ça, vas-y. Ben, tu vois, vas-y, c'est une Serge. Manière élégante de meubler, mais enfin élégante, grossière de meubler, mais aussi utile. Je suis court. Bien, allez-y à Rouen, alors faites le tour de table. Alors, bon, moi, je suis Serge Volikov, historien. J'ai été un peu... à l'origine du rassemblement du corpus hein, du CERM avec Annie Benarous et Roger. Et on est très heureux d'être là pour ça. Et je suis sans doute un des rares, peut-être ici à Rouen en tout cas, à avoir assisté à des séances du CERM. Eh oui, Roger. Roger Martelly, historien. Comme CERM, je fais partie des philanthropes qui ont participé à quelques séances du CERM. Bon. Le tour s'est arrêté là. Hein. Serge, après toi, on n'a plus rien. Bon, allez. Enfin, on essaie de gérer des problèmes. Roger Martelly, historien. Merci, Roger. Après Roger, on continue alors, puisque ça avait été demandé par Serge qu'il y ait une valse qui soit faite à plusieurs temps. À Rouen. Oui, mais en fait, ça marche pas en fait. Ok. Marina Simonin, je suis éditrice aux éditions sociales. Et donc voilà, je participe. Je rappelle que les éditions sociales bossaient avec le CERM. Bien sûr. Plusieurs livres à l'époque. Pas moi directement, parce que je n'étais pas là. Merci beaucoup.
Du coup, je me déplace aussi. Donc, Antoine Aubert, je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait une thèse sur l'histoire des marxismes dans les années 60, 70 et 80, notamment à partir des éditions sociales. Et donc, je vais intervenir cet après-midi à la table ronde sur les intellectuels et le Parti communiste français. Parfait, merci beaucoup. Pierre, c'est bon, on a ton écran, on a tout, tu peux y aller. Voilà, bon alors, je vais être assez rapide parce que je suis intervenu en mars à la précédente séance de séminaire consacrée au CERM, où il y avait un certain nombre d'interventions d'ailleurs qui étaient plus des interventions scientifiques et où la question des sources était peut-être moins explicitement posée. Donc, je me présente, Pierre Boichu, je suis archiviste, aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Tu m'entends, Jean? Tout va bien? Si je ne dis rien, tout va bien. D'accord. Donc, aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, en charge plus spécifiquement du fonds du Parti communiste français, plus spécifiquement d'ailleurs du fonds de la direction nationale du Parti communiste français. Donc, c'est un fonds qui a été déposé à partir de 2005 et qui continue par strates successives à être déposé aux archives départementales. Et j'en ai la charge, je suis le référent pour le traitement, la valorisation, la communication, les opérations de valorisation autour de ce fonds. Donc, voilà pour un petit peu la présentation institutionnelle. Donc, les archives départementales situées à Bobigny. Donc, je disais qu'en mars, j'avais fait déjà un premier état des sources avec un pointage relativement imprécis, mais en tout cas une ébauche de pointage de guide des sources, élaboration de corpus autour des archives du CERM. Et peut-être que tout le monde n'a pas participé à cette réunion, donc j'en redirai quelques mots aujourd'hui. Ce qui est marquant au sein du fonds du Parti communiste français, c'est la multitude de sources. De dossiers, de cartons qui ont trait à l'histoire de ce centre original qui, rappelons-le, est né en 1959 et j'accompagne mes propos d'une toute petite démonstration puisque c'est en réunion du bureau politique qui est actée la création du CERM sur proposition de Roger Garaudy qui est alors un dirigeant influent qui est un dirigeant influent et peut-être un peu atypique dans le groupe dirigeant, disons, mais qui jouit en tout cas à l'époque d'une confiance que je ne qualifierais pas, mais peut-être importante, du secrétaire général en titre, en l'occurrence Maurice Thorez. Alors, très brièvement, comment fait-on pour accéder aux archives départementales à l'état des fonds du Parti communiste français? Alors, on peut... Et en général, les résultats ne sont vraiment pas très bons puisqu'il y a énormément de bruit. Moi, méthodologiquement, je pense qu'un étudiant doit passer par l'état des fonds. C'est ce que je fais régulièrement. Donc, cliquer sur l'onglet état des fonds, consulter l'état général des fonds. Alors ça, c'est un logiciel qui marche avec Mnesis, hein, comme Animec. Donc, ça fait beaucoup de clics. Mais ce sont des archives privées puisqu'il s'agit d'un dépôt privé. C'est une organisation politique. Vous voyez que les jeunesses communistes, comme la Fédération de Seine-Saint-Denis, ont également déposé leurs archives aux archives départementales de Seine-Saint-Denis. Et enfin, nous arrivons ici aux archives du Parti communiste français. On dépose archives départementales. C'est un fonds qui fait approximativement 1 km linéaire, 1 200 km, et qui est aujourd'hui globalement maîtrisé, mais comme je suis le seul à traiter ces archives, évidemment, le temps de traitement est relativement long, voire extrêmement long, et il y a toujours des contradictions entre le temps du chercheur et le temps de l'archiviste, puisque nous travaillons sur le long terme, et les chercheurs, bien évidemment, ont envie d'avoir à disposition la documentation le plus rapidement possible. Donc, si l'on en vient aux organismes de direction, alors nous avons fait un choix de mettre des données brutes, un choix qui est aussi lié à nos manques de moyens, mais l'Université de Dijon, et Serge en reparlera probablement, ont fait un travail de mise en ligne de cette documentation, en l'occurrence les archives de deux instances de direction, qui étaient le bureau politique et le secrétariat. Si l'on en vient au bureau politique, nous avons choisi la mise en ligne
comme je le disais, des documents bruts non indexés. Donc, le site de Dijon permet une approche beaucoup plus fine potentiellement à partir de la recherche de mots-clés ou du travail d'indexation qui a été fait des archives relatives au CERM. Mais là, évidemment, ça va prendre du temps. Vous voyez, ça sont les limites aussi des logiciels à notre disposition. En tout état de cause, là, vous accéderez au relevé de décision établi à l'issue de la réunion du 17 décembre 1959, où est actée officiellement par le bureau politique la création du CERM et où sont annexées deux notes de Roger Garaudy qui précisent de manière assez détaillée les ambitions qu'il a pour cet organisme assez original. La première mention du CERM, c'est le 3 décembre précédent. Vous voyez là, on a le PDF, qui est le relevé de décision, qui va s'afficher tranquillement. Et donc, vous noterez qu'on a le même logiciel que l'IMEC. Et alors, c'est Paconio, c'est la décision numéro 6, si mes souvenirs sont bons. Voilà, approuver les propositions de Roger Garaudy concernant l'organisation et l'organisation du travail du CERN. Bref, et les notes annexes importantes. Voilà, donc là, vous avez deux notes avec vraiment l'orientation du travail. On y apprend qu'un certain nombre de sections, en l'occurrence 9, sont déjà mises en place. Pas réellement, puisqu'officiellement le CERM naît au tout début de l'année 1960. Mais en tout cas, il y a déjà des contacts qui ont été pris et on voit les sections de travail, les collectifs, physique, sciences de la Terre, chimie, biologie, etc. etc. Donc, ça, c'est une approche par le haut, par les instances de direction, qui néanmoins donnent de manière extrêmement régulière des informations sur l'activité de ce centre. Rappelons que Garaudy va être exclu à la fin des années 1960 et que le CERM va aussi être un enjeu à ce moment-là dans la polémique entre Garaudy et le... C'est quelle année 70. Et bref, le CERM va être aussi au centre de la réflexion sur l'exclusion de Garaudy, qu'est-ce qu'il voulait en faire, quel était son poids. Ça, c'est des questions que les historiens doivent trancher, que je ne ferai pas. Donc, une soirée de lancement le 26 janvier 1960, dont on a le discours, et j'en viens à ma première présentation, les archives de l'organisme, de la structure, Centre d'études et de recherche marxiste. Est-ce qu'il y a des archives aux archives départementales de la structure? Très brièvement, puisque je l'avais présenté plus précisément en mars, En 2005-2006, le Parti communiste français est amené à vendre, notamment après des échéances électorales peu brillantes, son immeuble que d'aucuns connaissent, et notamment Roger et Serge, de la rue du boulevard Blanc, enfin du boulevard Blanqui à Paris, où était positionné notamment l'Institut Maurice Thorez, qui est un institut de recherche marxiste, de la fusion avec ce fameux centre d'études et de recherche marxiste. Donc, des structures à vocation de rassembler des intellectuels avec un axe spécifique sur l'histoire, en l'occurrence l'Institut Maurice Thorez, et de manière beaucoup plus diffuse et avec des sujets de préoccupation beaucoup plus larges, le centre d'études et de recherche marxiste, deux institutions qui fusionnent dans l'Institut de recherche marxiste. Tout ça produit une soixantaine de mètres linéaires d'archives que nous récupérons à partir de 2005, mais qui constitue un vrac où les choses sont relativement mal identifiées. Néanmoins, en pré-triant, en pré-traitant et en magasinant ce fonds, ont émergé 4 mètres linéaires d'archives, soit une grosse quarantaine de cartons, c'est un peu plus que 4 mètres linéaires, qui documentent le CERM en tant que structure. Donc, c'est vraiment la production du centre. Ce fonds, j'ai été très sceptique au moment d'en faire ce que j'appelle le récollement. Le récollement, c'est une liste assez désorganisée de ce que contiennent les différents dossiers. Mais il s'est avéré, donc l'un d'entre vous a eu l'occasion de commencer à travailler sur ce fonds, sur la base de ce qu'on appelle un récollement,
c'est-à-dire que ce n'est pas un instrument de recherche finalisé, c'est une première ébauche dans un travail de placement. Et ce travail de placement a quand même permis de voir que si le fonds n'était pas conservé totalement, et là il aurait probablement, pendant une vingtaine d'années d'existence, il y aurait eu des dizaines et des dizaines de mètres que la structure aurait produite. Donc il en reste 4 mètres qui sont néanmoins intéressants par ce qu'ils contiennent au niveau du fonctionnement de la direction, au niveau de. Avec un certain nombre de comptes rendus de réunion, avec beaucoup de contributions qui étaient discutées collectivement et qui, in fine, étaient publiées dans les cahiers du CERM, qui ont été numérisés. Il y a quelques éléments de comptabilité, chose assez rare sur la période 68-69, puisque le Parti communiste français n'a pas souhaité déposer les archives relatives à sa trésorerie et à son financement, ce qui peut se comprendre. Quelques éléments sur la gestion du personnel, qui est aussi un angle mort des archives du Parti communiste. On pourra aussi avoir quelques éléments d'explication. Bref, des choses sur les relations avec les éditions sociales, notamment au moment de la fermeture du CERM et de la cession de la discussion autour des droits sur un certain nombre de livres issus de l'activité du CERM, mais qui ont été publiés aux éditions sociales. Donc ça, pareil, c'est des choses relativement rares dans les archives du Parti communiste. Et quelques, de nombreux bilans d'activité, soit dactylographiés, et adressé aux instances de direction et en particulier aux responsables intellectuels, et beaucoup de documentation imprimée avec des bilans d'activité réguliers, et une ressource que j'avais évoquée qui intéressait beaucoup de gens à l'époque, deux cahiers qui recensent systématiquement l'ensemble des adhérents du CERM depuis sa création. On sait que Garaudy est le 7e adhérent, et jusqu'à sa liquidation, dira-t-on, en 1979, et 2000, un peu plus de 2700 adhérents, dont on ne sait pas s'ils sont tout simplement des cotisants ou des adhérents, puisqu'il y a toujours la question de la cotisation qui se pose. En tout état de cause, ce qui est intéressant, c'est que les domaines de spécialité sont clairement indiqués. Alors, est-ce que ce sont les auditeurs, est-ce que ce sont des acteurs de cette vie intellectuelle, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, il y a un corpus qui permet une approche prosopographique, on va dire, sociobiographique, je ne sais plus le terme qui est utilisé aujourd'hui, en tout cas à destination des sociologues, qui peut être très intéressant. Et d'autres choses autour des colloques, séminaires qui s'organisent régulièrement. Rappelons que le CERM organise chaque année une semaine de la pensée marxiste, des colloques, notamment le colloque de Royaumont sur les questions philosophie, politique, et des colloques très thématiques qui évoluent dans le temps, d'ailleurs c'est très intéressant, sur l'avortement, sur le droit des femmes, sur la petite enfance. Donc entre les années, fin des années 50, début des années 60 et années 70, on voit que le nombre de sujets traités, de groupes de travail, d'ailleurs on les voit dans les bilans d'activité imprimés, que les groupes de travail évoluent foncièrement et que le CERM a vocation à rassembler des intellectuels autour d'un champ de réflexion beaucoup plus large que le noyau initial et les 9 sous-groupes qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc, cette documentation permet de tracer une espèce de ligne directrice avec un certain nombre d'informations qui sont néanmoins insuffisantes pour écrire l'histoire de l'organisation et pour pénétrer intimement son fonctionnement. Je vous rappelle, 4 mètres linéaires d'archives pour 20 ans d'activité. Et là, puisqu'Annie Benarous n'avait pas eu l'occasion de me répondre la dernière fois, j'avais cru entendre que Nicolas Pasquarelli, qui avait été directeur adjoint du CERM au début des années 70, avait conservé des archives, mais que celles-ci avaient été détruites par erreur ou par mégarde. En tout cas, voilà, il y avait eu une opération de destruction qui n'a pas laissé de traces. Ça, c'est des choses que l'archiviste ne sait pas, sinon par les témoignages. D'un point de vue général, le Parti communiste français, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour un parti qui est très centralisé, a eu un intérêt relativement tardif, sinon pour ses archives historiques. Il a mis des moyens pour l'histoire de l'entre-deux-guerres, avec la création de musée d'histoire vivante sur la commune de Paris, sur la résistance. Il y a eu quelques moyens qui ont été dédiés. Je pense au musée de Montreuil, je pense au musée de Champigny,
mais sur, avec d'ailleurs toujours une volonté davantage muséographique que strictement archivistique. Mais le Parti communiste a eu un très tardivement un intérêt pour ces archives intermédiaires et courantes. Donc, ce qui a opéré énormément de destructions, particulièrement sensibles au moment des déménagements et notamment avec un trou documentaire au moment de l'installation de place du colonel Fabien. Là, je vous renvoie à un texte que j'ai fait et que je diffuserai peut-être plus largement, qui relate un peu l'histoire de la constitution de ce fonds, ses limites et aussi ses axes positifs. Alors voilà, un fonds, le fonds de l'organisation Centre d'études et de recherche marxiste, le fonds de la structure, qui, bien entendu, nécessite un recours à des archives complémentaires qui sont, je pense, aujourd'hui relativement bien connues, en tout cas pour les fonds qui ont été triés et qui bénéficient d'un instrument de recherche, instrument de recherche qu'on retrouve comme à l'IMEX sur le site internet des archives départementales. Donc, pour les en sources complémentaires, en général, les archives personnelles sont de tout premier ressort. Alors, j'ai évoqué les archives de direction. On évacue directement la question de la section des intellectuels culture, de la section intellectuelle culture, puisqu'elles sont extrêmement contemporaines et qu'il y a très peu de choses antérieures aux années 80. Cette section n'a pas laissé d'archives. Et archives de direction, archives de la section de travail, donc, qui chapeautait, en tout cas son responsable, le CERM, on ne trouvera pas d'informations essentielles dans ces archives de section. En revanche, les fonds personnels sont extrêmement riches. Alors, si on prend dans un premier temps, là, je vais être très bref, les deux dirigeants en titre qui sont répartis moitié-moitié, la direction du CERM entre 59 et 79, extrêmement peu de choses chez Garaudy. Paradoxalement, Garaudy a donné ses archives au Parti communiste français qui les a déposées aux archives départementales. Par contre, environ un mètre linéaire d'archives dans le fonds Bibès, il y a quand même relativement beaucoup de choses, et notamment sur une approche plus intimiste de ce qu'est que diriger ce type d'institut. Je viens aussi... il a conservé, Bibès, ses interventions au bureau politique, ce qui est relativement rare chez les dirigeants, en tout cas, ce qui n'est pas systématique, donc beaucoup de notes, et aussi de notes de réunion, et une correspondance qui est extrêmement intéressante, notamment sur les débats des années 60 autour de Garaudy, Tusser, Sève, etc. Donc là, il y a une approche un petit peu plus intime, comme je le disais, de ces débats, avec manifestement des liens de proximité ou d'amitié qui vont davantage vers l'un ou vers l'autre. Enfin, je renvoie vers les correspondances en sachant que c'est une ressource extrêmement importante et selon moi, pour comprendre au-delà des rapports officiels la réalité du fonctionnement de ce type de structure. Et enfin, dernier fonds que j'évoquerai, puisqu'il était directeur adjoint du CERM, c'est le fonds Jean Surécanel, qui a une activité très importante, et qui, lui, en tant qu'historien, a eu une réflexion sur ses archives, et un certain nombre de cartons concernent l'activité et le fonctionnement du CERM. Sur les dirigeants de la section intellectuelle maintenant, donc là, on est donc les responsables intellectuels nommés en congrès et membres du bureau politique, voire du secrétariat. Sur la période, il y en a 5 qui succèdent. Alors, Casanova, Laurent, n'a pas laissé d'archives à ma connaissance. Quelques petites choses chez Figuère. Quelques petites choses chez Krasucki. Enfin, je crois qu'il y a des éléments chez Krasucki. Et là, je vous renvoie vers l'Institut d'Histoire Sociale CGT, puisque c'est cet institut qui conserve les archives de Krasucki, à la fois secrétaire général de la CGT, mais également... ce qu'on sait moins, responsables intellectuels au moment du congrès d'Argenteuil, du comité central d'Argenteuil, au Parti communiste français. Donc, dans les archives syndicales, on trouve également des archives, dans les archives du dirigeant syndical, on trouve également des archives politiques, puisque le responsable, le secrétaire national de la CGT, général de la CGT, siégeait de droit dans les instances dirigeantes du Parti communiste. Beaucoup de choses dans le fond, Roland Leroy, et également dans le fond Chambaz, Jacques Chambaz,
Là, avec donc une vision plus englobante des enjeux touchant aux relations entre le Parti communiste et les intellectuels, mais avec régulièrement des informations, des rapports qui remontent, voire des correspondances, ce genre de typologie documentaire, et qui permettent d'appréhender les rapports entre le noyau dirigeant et cet institut qui, géographiquement comme possiblement intellectuellement, est relativement émancipé de la tutelle politique. Et ça, c'est quelque chose à débattre et probablement à nuancer. Et enfin, je renvoie aussi vers les archives du Français de Lazare, qui a effectué cette fameuse fusion des deux instituts et la création de l'Institut Maurice Thorez, qui a dû être une décision relativement soudaine, puisque le dernier bilan d'activité, enfin programme d'activité du CERN, date de mai 1979, et quelques mois plus tard est décidée la création de l'Institut de recherche marxiste et donc de la disparition de ces deux structures. Également reprise en main du dispositif éditorial avec la disparition de la Nouvelle Critique, la création du journal Révolution, etc. etc. et la mise à jour avec l'IRN de nouvelles revues, je pense à Société Française, ce genre de choses. Alors, chez les secrétaires généraux, c'est une approche aussi intéressante quand on connaît le poids des secrétaires généraux et peut-être les différences de personnalité entre les deux secrétaires généraux, dont les archives sont aux archives départementales. Hein. Il faut aussi voir le fonds Thorez, mais qui est aux archives nationales. Donc, il y a des dossiers quand même relativement complets chez Valdecrochet qui s'intéressent réellement, notamment au débat philosophique, mais plus généralement au débat des intellectuels. Et est-ce que c'est bizarre ou pas, je ne sais pas. Georges Marchais a, lui, une attention beaucoup plus réduite sur l'activité des intellectuels et du CERM en particulier. Je vous citerai aussi le fonds Gaston Pissonnier, qui était secrétaire administratif, qui était le personnage par qui beaucoup de choses passaient et qui a conservé des dossiers par-devers lui. Le fonds Francis Cohen, qui est un intellectuel directeur de la Nouvelle Critique et qui a pris des notes, qui a constitué des archives d'une richesse, je pense, aujourd'hui sous-estimée, notamment au niveau des correspondances et, je pense, à ses correspondances avec Prévost, où vraiment ils sont dans une discussion très intime et ils n'hésitent pas à lâcher leurs flèches contre leurs ennemis politiques, contre les leaders d'un parti. Donc on a une approche, je reviens sur le terme intime, de l'histoire du Parti communiste pour cette période sur la question des intellectuels. Question qui a été traitée par Frédéric Matonti, qui a été traitée par Marco Di Maggio, qui a été traité par Roger, qui s'est intéressé au comité central d'Argenteuil. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de travaux, une bibliographie. Donc là, nécessairement, récemment, par Anthony Crézégu, qui travaillait sur Gramsci, là, je renvoie vers les sources, qui sont des appareils qui permettent aussi d'entrer dans les archives quand on a vocation à travailler sur la question des intellectuels au sens large. Voilà, je parlerai très brièvement. Il existe aussi quelques photographies dont le Fonds d'Humanité déposé également aux archives départementales et de l'histoire du CERM ont émergé également quelques enregistrements sonores, notamment d'un conseil scientifique en 1978. Ce sont des choses très parcellaires, mais qui ont néanmoins le mérite d'exister. Tout ça pour dire quoi ? Qu'en croisant les sources, on a déjà la possibilité d'établir un appareil, un corpus, un guide, des sources relatives au CERM aux archives départementales de Seine-Saint-Denis. Ce que je vous dis est très généraliste, puisque tous les fonds ne sont pas triés, puisque tous les fonds ne sont pas accessibles, mais néanmoins, si l'ambition de ce séminaire, c'est d'aboutir à ce type d'instrument de recherche, rappelons qu'un guide des sources est un instrument de recherche, qui peut d'ailleurs mettre en relation différentes institutions, et là je pense à l'IMEC, parce que si on partait ne serait-ce que de l'IMEC et des archives départementales, on aurait déjà beaucoup d'éléments pour aborder l'histoire du CERM. Et voilà, donc ça, c'est l'appel de l'archiviste et qui a le souci des chercheurs, et avec des chercheurs qui souvent, en particulier les étudiants dans leurs premières années de recherche, ont une image peut-être survalorisée de ce que sont les archives. Les archives ont des limites. Elles ont connu des destructions qui sont pas forcément voulues, et in fine, il faut savoir se repérer dans une espèce de magma où les informations sont très dispersées. Donc il faut rassembler tout ça pour créer un corpus, ce qu'ont fait les historiens sur l'histoire des intellectuels,
Et pour les archivistes, peut-être réfléchir à un guide des sources où apparaîtraient également, bien entendu, les imprimés et je pense au cahier du CERN et les livres qui sont issus, je pense aux actes de colloque en particulier, mais qui sont issus de ce travail collectif au sein du Centre d'études et de recherche marxiste. Je termine très brièvement, parce que j'ai une toute petite annonce à faire également. Roland Veil, ton nom, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été un avocat historique du Parti communiste français, est décédé à 102 ans en début d'année et a laissé des archives que nous avons collectées en urgence, puisque la famille et ses enfants sont en train de vendre son appartement de Créteil. Et émergent dans les vingtaines de mètres linéaires d'archives. Alors, les archives de l'avocat ont été détruites conformément à la législation. Ce qui est dommage, d'ailleurs, il faudrait vraiment avoir une réflexion sur les archives d'avocat. Mais le cabinet a détruit les archives de l'avocat. Et, excepté pour des procès ou des choses qu'il avait suivies personnellement, aide à la section de Créteil du Parti communiste français, procès sur l'agent Orange, procès internationaux, donc là il y a des choses relativement contemporaines, mais un petit peu d'amplitude historique. Et donc j'ai eu le bonheur, et là on ne peut plus. Ah non. Comment on peut faire ? Je crois que c'est sinon la page internet. Ah, parce que là c'est intéressant. Afficher le parcours. Tu peux fermer ta fenêtre qui était ouverte, et puis puisqu'il y avait les autres qui étaient ouvertes, tu allais sur celle qui était ouverte. Je reviens sur la page de Zoom. Je partage l'écran. Il faut refaire partager l'écran. Là, je vais partager. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ces archives, je l'ai pour 2 minutes. Elles sont là, dans un box. Pas de souci. Mais montre bien la photo, parce que là, on a la photo. Et pourquoi elle ne se met pas? On a une dizaine d'images là qui apparaissent. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce que moi, sur mon écran. Avec le partage. Il faut partager l'écran. Reviens dessus maintenant. Voilà, photo. Et là, je fais partager. Voilà. C'est bon, parfait. Donc, la réalité du travail d'archiviste, un box à Créteil en sous-sol, pas d'électricité, et des archives. Alors là, vous n'avez qu'une partie, hein, c'est les choses qui étaient les mieux classées. Et donc, intervention en urgence, parce que la maison est vendue au 30 novembre, et il faut prévoir de déménager une vingtaine de mètres linéaires avec des archives, certaines ont pris l'eau. Bref, voilà d'où ces deux ce casier. D'où émerge ce dossier, qui est le dossier de la section juridique du CERN que notre ami Veil, alors on se déborde un peu de nos sujets de prédilection, des débats du CERN, Sève, Garoli, mais néanmoins, pendant 20 ans, Roland Veil est vraiment l'organisateur et l'animateur de cette section, de cette section, avec des choses extrêmement intéressantes au sein de ce dossier, notamment un colloque sur le droit des femmes organisé en 1965, qu'on verra un peu plus tard, mais bon, bref, une brève présentation. Alors, le volume de ce dossier est relativement réduit, il ne s'agit pas de 30 mètres linéaires d'archives. Je sais qu'il y a des compléments dans d'autres boîtes, mais néanmoins, avec un dossier extrêmement réduit, on a tout un tas d'informations sur ce qui n'apparaît pas dans les archives de l'organisme. En l'occurrence, c'est la vie réelle d'un travail collectif animé par un militant du Parti communiste qui a par ailleurs mis l'engagement au Secours populaire, à l'Association internationale des juristes démocrates, mais qui, quand même, prend du temps, un temps, moi, je ne sais pas où il le trouvait, et qui, tout en plaidant, et qui anime ce travail et régulièrement donc produit des convocations, on les voit ici. Donc, ça, c'est la convocation, si mes souvenirs sont bons. La première réunion, mais peut-être que je me trompe, oui, je crois que c'est la toute première réunion du cercle des juristes qui se réunit le 2 juin. Alors, continuons.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces archives, alors, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas daté, mais très régulièrement, il y a l'élaboration de listes comme ça, de partenaires, alors communistes ou non, hein, parce que ne sont pas convoqués exclusivement des communistes, mais souvent, il y a des gens qui sont proches, voire opposés, qui peuvent participer à des initiatives menées par le CERM. Et donc, voilà, alors ces listes, on en a quelques-unes, elles ne sont pas datées, donc, problème que je posais, mais néanmoins, ça permet, pareil, pour une approche prosopographique, de reconstituer des groupes. Veil, à plusieurs reprises, se plaint qu'il n'y ait pas assez d'universitaires qui participent au travail collectif sur la question juridique, mais essentiellement des praticiens, des avocats. Donc ça, c'est des choses à analyser pour ceux qui s'intéressent. Je ne sais pas si Frédéric Genevet, peut-être qui nous écoute, les a consultés quand il a fait sa thèse. Néanmoins, voilà ce qui émerge de ces archives. Donc, pareil, hein, débat public, justice et démocratie, des documents qu'on ne retrouve pas forcément dans les archives stricto sensu du CERM, puisqu'ils sont qui sont élaborés par la section en question. Et la section n'a pas collecté l'intégralité des dépliants, des plaquettes de ces sections de travail. Des textes dactylographiés avec correction, donc ça, c'est toujours des ambitions de publication. Il y a quand même quelques textes intéressants. Des comptes rendus de réunion avec le nombre de participants, avec les choses qui se disent. Il peut y avoir également des transcriptions dactylographiées d'enregistrements. Donc là, on a une approche, même si les enregistrements ont disparu, très précise des débats qui peuvent avoir lieu au sein de la section. Là, oui, pareil, là c'est assez intéressant parce que par champ de compétences, on va décliner des responsabilités, donc pareil, des listes de noms à mettre sous Excel et puis pour pouvoir en tirer quelque chose si les étudiants ou les historiens veulent se saisir de la matière. Donc des procès-verbaux de réunion qu'on ne retrouve pas non plus dans les archives de l'organisation. Et ces fameuses correspondances, qui me paraissent absolument essentielles. Alors, si en 1977, le CERM, à l'occasion de la présentation de ses activités, se félicite de l'activité de sa section juridique, Roland Veil explique très gentiment à Nicolas Pasquarelli, qui à l'époque, donc, rappelons-le, directeur adjoint du CERM, que réellement, il n'y a aucune réalité dans l'activité de cette section de travail. Pour autant, ça apparaît en bonne et due forme sur les activités proposées par le CERM, sur la plaquette de présentation. En réalité, la section ne se réunit plus depuis des années et Roland Veil n'en est absolument pas content. Et voilà, et donc là, dès 65, il y a une époque où le Parti communiste n'est pas connu, je crois, pour être plus à l'avant-garde de la question des droits des femmes. Et parce que je parlais des archives Veil, je dois quand même préciser que ce sont les archives de Roland et de Monique Veil. Monique Veil étant son épouse. Et donc, Monique et Roland ont mis en place un colloque quand même de grande qualité, manifestement, avec des grands noms qui s'expriment sur la question de la femme et le droit. Question intéressante, parce qu'au même moment où le Parti communiste, comme je le disais, n'est pas forcément n'a pas une réflexion la plus aboutie sur cette question-là, quelles sont les relations entre ces institutions qui rassemblent des intellectuels et la direction? Alors, peut-être qu'elle est un peu hâtive, mais une dirigeante, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, mais dont je citerai le nom, disait qu'en substance, le secrétaire général, voire le bureau politique ou le secrétariat, n'avait pas grand-chose à faire du travail des intellectuels. La décision politique se prenait ailleurs et ne reposait pas forcément sur tout ce travail d'élaboration. Remarquable, exceptionnel, mais est-ce qu'il était réellement utilisé comme une ressource dans l'élaboration politique? Là, il y a une question qui, évidemment, est traitée par les historiens, mais la coupure entre la direction et la réflexion collective, elle se discute, elle se réfléchit, et ce sera la fin de mon intervention. Voilà, Jean. Merci.
Merci, non, je suis là, mais j'avais débranché le micro, il fallait que je le remette. Donc, on a terminé les deux interventions. Je propose qu'on puisse avoir la discussion sur ces enjeux d'archives et de présentation des fonds et des sources et ressources dont on dispose. Alors, bien sûr, on pourrait compléter, tu l'as dit, Pierre, en fonction de ce qu'on a mis en ligne sur le serveur de la MSH de Dijon, à savoir sur Pandore, on peut retrouver les mêmes archives que tu as présentées tout à l'heure du secrétariat politique, du bureau politique, dans le cadre du partenariat qu'on a avec les archives du PCF, les AD93 et le programme Abricot que j'évoquais tout à l'heure. On a, de ce point de vue-là, la possibilité aussi de rechercher, puisque le travail a été indexé à la pièce, et c'est peut-être... Là aussi, l'enrichissement possible des instruments de recherche en allant un peu plus loin, on peut, en tapant CERM, eh bien, retrouver effectivement le 17 décembre 1959 et même le 3 décembre 1959, la première réunion où on évoque véritablement le centre d'études et de recherche marxiste, enfin même centre de recherche et d'études marxistes, et c'était dans l'autre sens que c'était présenté pour la première fois. Maintenant, la discussion est ouverte, peut-être qu'il peut y avoir des questions, alors à la fois de ceux qui sont présents et de ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir, ou alors de converser, c'est-à-dire je redonnerai les questions qui seront posées dans les conversations du lien Zoom d'aujourd'hui. Jean, on ne te voit pas. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Je remets la caméra, j'avais oublié de la remettre, pardon. Voilà. Alors, questions, remarques des uns des autres qui souhaitent intervenir par rapport aux sources, aussi bien ce que propose l'IMEC, et effectivement c'est une richesse importante, ce que proposent les AD93 également, hein, puisque tu l'as rappelé, tous les fonds consultables possibles, et puis là ce qui est intéressant dans le nouveau fonds que tu présentes, des choses qui jusqu'alors n'avaient pas été forcément gardées dans ce qui faisait les archives du CERM. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors moi, une remarque. Jean? Oui, vas-y Serge, vas-y. Oui. Moi, je constate que finalement, à travers le dernier exemple que nous donne Pierre Ouachu, la question du rapport entre archives de l'organisme et archives personnelles va déboucher sur quelque chose qui est, à mon avis, pour l'instant, avec ce que j'ai compris, un manque même dans les archives de l'organisme, c'est-à-dire les sections. Les sections telles qu'elles fonctionnaient au moins dans les années 60. Hein, ces archives de sections pour lesquelles on n'a pas énormément de choses, est-ce que la piste ça n'est pas d'aller chercher du côté des archives personnelles de ceux qui ont animé, des principaux animateurs, et le faire de manière un peu systématique. Que ces archives personnelles se trouvent à Bobigny ou qu'elles se trouvent à l'IMEC ou encore ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est évidemment tout à fait important. Tu as parlé de Suré-Canal. Suré-Canal animait, si on voit, une section touchait à la fois à la géographie et à l'Afrique et à la question postcoloniale au CERM, à un moment donné. Il y avait, mais en anthropologie, quelqu'un comme Godelier a participé très fortement dans ces années-là, mais ce n'est pas lui qui était le responsable de la section. Et donc, je me pose la question si on n'aurait pas d'un point de vue archivistique, ou en tout cas les chercheurs avec les archivistes, à faire un travail de listage, de recension pour chacune des sections de qui était vraiment l'animateur réel, pour voir si dans les archives personnelles, on ne peut pas retrouver des fonds. Par exemple, je pose la question à Roger, Claude Villard, quand il est décédé, il a laissé une grande bibliothèque, des archives plus ou moins organisées. Il avait participé à la section histoire, mais qui n'était pas celle qui marchait le mieux, je crois.
Est-ce qu'il y avait quelque chose? Par exemple, je dis ça parce que Roger est allé s'occuper de ses archives, c'est pour ça que ça n'avait rien vu. Quoi. Pas à ma connaissance, d'autant plus que je ne sais pas si Claude Villard est actif dans ma section histoire du CERN. Claude Villard est actif dans la période qui précède, oui. C'est-à-dire dans les années 50 en particulier, la commission histoire qui travaillait en liaison directe avec la section idéologique et la section des intellectuels pilotée par Casanova. Voilà. Je ne sais pas s'il faisait partie s'il était directement associé à la section, la commission d'histoire du CERN. Ça, je ne sais pas. Mais ces archives sont à Bobigny. Oui. L'inventaire est consultable en ligne. Oui, l'inventaire est en ligne et il a été utilisé aussi sur pour une thèse récente sur les comparaisons entre Parti communiste italien et Parti communiste français sur l'Afrique. Et il y a pas mal de choses et de références au CERN dedans, bien sûr. Tu as vu la question de Pierre, la question de Jacques Guillaumont. Y a-t-il dans les archives... Y a-t-il dans les archives du CERN une partie de présence au CERN? Ouais. Présence au CERN. Y a-t-il dans les archives des récits de présence au CERN? Des récits d'activité a posteriori, c'est ça? Des comptes rendus de réunion? Jacques Guillaumont, il n'y a pas de témoignage d'acteurs du CERN. Ouais. Donc, on vous demande, Jacques Guillaumont, s'il vous plaît, de préciser la question, puisqu'elle peut être prise dans plusieurs sens, à savoir des récits a posteriori ou des récits dans la logique du présent de ces réunions. Les comptes rendus, d'ailleurs, les procès-verbaux et comptes rendus de réunion. Mais comme on le faisait remarquer, mais vous pouvez même parler, il n'y a pas de souci, on vous donne la parole. Ça va être fait en direct par la Fondation Gabriel Péri, on vous ouvre le micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui, parfait. Très bien. Oui, salut, Jacques. Salut à tous, salut à mes amis. Quoi. Eh oui. Ça fait plaisir. Et puis salut surtout aux jeunes chercheurs, que je ne connais pas, mais j'apprécie toujours de les entendre. Je voulais dire récit au sens récit de soi. Est-ce que par exemple dans ces archives, on a quelqu'un qui rentre d'une séance du CERM et fait le récit de cette séance, c'est-à-dire en une page, une demi-page, ce que j'appelle des récits de soi. On peut trouver ça dans un cahier, on peut trouver ça dans un journal. Dans un journal, est-ce qu'il y a des récits de soi? Voilà. Parce que comme l'étude des récits de soi, c'est quand même un domaine de recherche extrêmement actif actuellement, je pose la question aussi aux jeunes chercheurs qui travaillent sur ces archives, y a-t-il des journaux parmi ces archives dont il a été question, des journaux d'auditeurs, enfin de participants, de membres du parti, et à l'intérieur de ces journaux, est-ce qu'on a la chance de pouvoir trouver des récits de présence au CERM ou de discussions, par exemple, parce qu'à la sortie du CERM, au café, je ne sais pas, moi, des récits, quoi. Alors, je me permets d'intervenir en premier. Oui, enfin, vas-y, Pierre. On ne trouvera pas de récits en tant que tel, mais c'est là où j'en reviens en correspondance. Il y a assez peu de temps sur un réseau social à tourner la lettre de quelqu'un qui a participé à la soutenance de thèse de Claude Lévi-Strauss. Et de plusieurs pages, donc c'est un compte-rendu, pour le coup, in extenso, avec des appréciations qualitatives, à la fois sur le travail, enfin, sur la soutenance, mais également sur les... pas toujours très positif d'ailleurs sur les membres du jury de thèse. Donc je pense que les récits, et j'en reviens à Claude Prévost, dont on a la correspondance reçue dans les archives Francis Cohen, et il avait une écriture et une encre particulière qui permettait de les repérer, et à la lecture de ces correspondances, on revit réellement, effectivement, la dernière réunion de la direction de la section en direction des intellectuels. Donc là, on est effectivement dans le récit. Mais je pense qu'on ne trouvera pas de témoignages. D'ailleurs, c'était l'initiative d'Annie Benaroux,
initialement, mais c'est très récent que les anciens acteurs du CERM, et il a fallu la volonté d'Annie pour que les choses se montent finalement. Mais déjà à 79, la fin peut-être un peu brutale de l'activité du centre, est-ce que c'est ce correspond à une prise avec les intellectuels, avec beaucoup qui vont quitter? Est-ce que c'est pas aussi un moment où on abandonne? Est-ce qu'on a envie dans la décennie suivante réellement de témoigner d'une activité qui était finalement relativement naturelle en tant que militant, mais qui ne paraissait pas forcément exceptionnelle? C'est peut-être aujourd'hui qu'on redécouvre l'activité de ce centre, mais que dans la dizaine d'années qui a suivi sa fin, dans la vingtaine d'années, est-ce que les gens, les acteurs, avaient besoin d'en témoigner? Ça, j'en suis pas convaincu. Donc, alors des comptes rendus de réunions, voire je parlais tout à l'heure de retranscription d'enregistrement, c'est des choses qu'on trouve de manière ponctuelle. Des enregistrements, donc des archives sonores, pareil, sont des choses qu'on retrouve ponctuellement, qui ne documentent pas du tout l'ensemble de la période, mais néanmoins qui permettent aussi une ambiance. Et une source, par exemple, je reviens à Francis Cohen, qui son fond a été un peu connu maintenant, il a pris des notes systématiques de toutes les réunions, de toutes les instances dans lesquelles il a siégé, enfin, instances ou organisations, que ce soit la Nouvelle Critique, que ce soit la POLEX, sur le point de la section URSS de la POLEX, que ce soit le CERM, que ce soit toutes les réunions, il avait des petites caisses en bois format A5, il a pris des notes de toutes ces réunions. Alors, est-ce que c'est du témoignage? Mais bref, et j'en reviens en correspondance avec Prévost, par contre là, on va trouver beaucoup d'informations qui permettent de donc documenter l'ambiance, évidemment. Moi, je suis curieux de savoir si c'est pas dans un fonds qui n'existe pas encore, que le fonds Régine Robin. Ah oui. Parce que Régine Robin était extrêmement présente. Elle venait quasiment à toutes aux réunions. Ouais. Donc, si un jour se met en place un fonds Régine Robin, il faudra peut-être y aller voir. Je l'espère, hein, bien sûr. C'est pour ça que il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. En revanche, il est clair que il y avait plus d'une vingtaine de sections. Je ne reviens pas sur ce qu'on a pu dire au dernier séminaire, etc. Mais pour chacun, effectivement, il serait intéressant de repérer, comme le disait Serge, qui étaient ceux qui animaient véritablement, pas forcément qui le dirigeaient, mais qui en faisaient le secrétariat. Et c'est peut-être dans ces archives privées qu'on pourra retrouver ce que vous proposez et qui est fort intéressant. Je sais que pour d'autres choses, on a évoqué tout à l'heure les archives des secrétaires généraux du parti, et je sais que dans le fonds privé Valdec-Rochet, c'est-à-dire avant que maintenant c'est tout déposé aux archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny, mais la famille avait aussi des notes encore, elles ont été déposées, de ces débats avec les intellectuels dans le débat Althusser-Garaudy. Alors bien sûr, c'est la chose la plus importante qu'on évoquait tout à l'heure, mais on peut retrouver encore des éléments et c'est logique, d'archives privées nous invite à compléter l'inventaire, l'instrument de recherche, peu importe le recollement. Est-ce qu'il faudrait faire, et peut-être que Serge, c'était ça ce que tu proposais, de faire un inventaire, de lancer un appel aux dons, aux dépôts, aux archives départementales de Seine-Saint-Denis, aux archives aussi du PCF, pourquoi pas directement dans un premier temps avant que ça vienne. Et là, Corentin l'a eu, je pense, il serait heureux de pouvoir faire aussi cet inventaire à un moment donné, de présenter tout ça aux années 93. La semaine de la pensée marxiste, par exemple, il y a beaucoup de choses aussi dans le fond Thorez. Moi, j'ai pu regarder ça récemment, il y a des éléments importants. Donc voilà, il faudrait qu'on ait un guide des sources et un inventaire le plus complet possible. Est-ce qu'on a encore d'autres questions, d'autres remarques? On se donne jusqu'à 12h30, comme on a eu quand même quasiment une demi-heure de retard en fonction des problèmes techniques. Ça vous va à Rouen que je dise 12h30 ou pas? Oui, on a aussi faim à Rouen qu'à Dijon. Non, moi, c'est pas une question de faim, c'est une question, on a commencé avec du retard, c'est tout, voilà.
Je vois Antoine, tu levais la main, tu voulais intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez d'ici. On t'entend, mais essaye de parler fort du coup. Je voulais rebondir juste sur les enjeux archivistiques, parce que j'ai eu l'occasion, pour le coup, et ça rejoint aussi ce que disait François Borde, d'aller pas mal à l'INEC. J'ai fait de nombreux fonds là-bas, et tout ça se complète très bien en fait. Mais ce qui est un peu compliqué, ce serait vraiment intéressant d'avoir un inventaire ou un endroit où on sait un peu où aller, c'est qu'il y a aussi des choses à la contemporaine, par exemple. Bien sûr. Il y a un certain nombre de fonds, donc il y a des choses aux archives nationales, il y a des choses dans des bibliothèques municipales. Je sais qu'à Lyon, par exemple, il y a le fonds Michel Loi, qui était une proche d'Althusser, qui était sinologue, qui était à Paris 8, enfin, qui a été une actrice importante à plusieurs moments. Il y a d'autres fonds dans les instituts CGT et autres. Il y a d'autres fonds. Alors là, je suis très content d'entendre que les archives Lefebvre vont à l'IMEC, mais elles étaient jusqu'à maintenant plus ou moins dans un cadre privé géré par un prof qui était sciences de l'éduc, à savoir Rémiès de Paris 8. Donc moi, je n'avais pas vraiment pu les consulter, j'avais parlé avec lui, mais enfin, tout ça est en train de se faire. En fait, c'est juste il faut pouvoir couper un peu tout ça, non seulement aux AD 93, mais aussi avec d'autres, à la BNF aussi, un certain nombre de choses à la BNF, même s'il n'y a pas énormément de choses. Et en plus, moi, donc ça, c'est une petite remarque, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup d'institutions qui cherchent aussi à se débarrasser en fait de ces archives, ou du moins qui ne font pas vraiment l'effort de les collecter. Pour le coup, l'IMEC et les archives départementales, ce sont à coup sûr des exceptions. Mais par exemple, j'avais l'impression qu'à la BNF, ils voulaient plutôt se débarrasser des archives de Maxime Rodinson, qui était membre du PCF, etc., parce que c'est énorme, c'est une bibliothèque de 16 000 livres et d'autres choses, mais à la fois, c'est quelque chose qu'ils veulent valoriser, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et puis, du coup, ils essayent un peu de s'en débarrasser plus généralement sur les archives privées aussi. J'avais notamment parlé avec la veuve de Georges Labica, qui a plus d'archives, avec d'autres personnes. Enfin, les archives disparaissent très vite. Donc, effectivement, si je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il faut le faire, en fait. Il faut vraiment démarcher les gens, sans doute, pour les aider aussi. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas du tout le travail d'archiviste, mais en tout cas, les pousser à le faire, en même temps, peut-être que personne n'a la place de le faire. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui est possible, mais moi, j'avais récupéré quelques archives privées durant ma... J'en avais parlé, je crois, durant mon enquête, notamment plusieurs lettres de Jean Reny au moment où il avait publié 30 ans de partie, enfin, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour avoir des sources un minimum complet. Et pour répondre à Jacques Guillemot, je crois que sur le CERN, on est quand même assez loin des traces degrés de précision de ce qui s'est passé dans les séances. Donc, j'ai regardé un petit peu en septembre et puis cette semaine les archives du CERN. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais pour le coup, il faut. Moi, j'ai dû faire 2% des archives. C'est très long. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a des choses. Pierre Bochu connaît ça mieux que moi, mais en tout cas, il faut prendre le temps de regarder. Non, pour répondre à la question précédente de ce que tu dis, je pensais il y a aussi tout ce travail d'enregistrement qui a été effectué avec des moyens modernes, et je réponds en même temps, et il y a beaucoup d'étudiants, de doctorants par exemple, qui ont réalisé des campagnes impressionnantes de, je pense une nouvelle fois à Anthony Préségu, mais à beaucoup d'autres, à Marc Giovanninetti, et qui ont travaillé dans les années certains fin des années 90, début des années 2000, je pense à Batardi qui a fait une thèse sur l'Union de la gauche. Et il y a un problème qui se pose à nous, c'est qu'au final, ils sont demandeurs de déposer les témoignages aux archives départementales, par exemple. Donc les témoignages qu'ils ont collectés, ça peut être plusieurs dizaines, témoignages, des enregistrements, là je parle. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de droit dessus s'ils... La personne enregistrée n'a pas acté que les enregistrements pouvaient rejoindre une institution à vocation archivistique. Problématique parce que est-ce que le fait d'être enregistré fait qu'on ne dira pas les mêmes choses que si on ne l'est pas, etc., etc. Donc là, il y a aussi une source qui est entre les mains d'une multitude d'acteurs et dont on ne sait que faire.
pour des raisons légales notamment. Un centre d'archives publiques n'a pas le droit de donner à consulter des archives, enfin consulter librement en tout cas, des enregistrements dont la personne enregistrée n'aurait pas donné l'autorisation. Donc ça, c'est un petit problème que je souligne, et j'en reviens à ce que tu disais, mais plus généralement, il y a eu des moyens, il y a eu une prise de conscience, j'ai l'impression, au début des années 2000, de l'État français, quand a été engagée les travaux des archives nationales, quand il y a eu des débats sur les archives des hommes politiques, il y a eu un mouvement de collecte, qui a été assez fort à mon avis. Mais aujourd'hui, avec les manques de moyens des services publics, on est confronté, quasiment toutes les institutions, à une saturation des bâtiments, à un manque de moyens humains chronique. Et moi, je suis très inquiet. Par exemple, il n'y a plus aucun débouché pour les bibliothèques. La bibliothèque du couple Veil, les enfants vont la détruire parce qu'il n'y a pas d'opportunité de la déposer quelque part. Nous, on est un centre d'archives, on ne prend pas les bibliothèques. Avait été évoqué, je ne sais pas quel a été son sort, et j'ai oublié son nom, Michel, de l'historien spécialiste de la Révolution française, ex-membre du Parti communiste aussi. Était très actif en 89. Bon, bref, peu importe. Michel Vauvel ? Oui, de Vauvel. Je crois qu'il y a eu une réflexion autour de ses archives. Oui, il y a les archives. De sa bibliothèque, qu'il n'y a pas eu. Pareil pour Guibès, par exemple, une bibliothèque philosophique, il n'y a pas. Si, peut-être, non. Vous ne l'avez pas récupéré ? Si, vous l'avez récupéré. Non, pas vraiment. Mais en fait, c'est ça. C'est que la réalité objective, concrète, c'est que le manque de moyens fait qu'à mon avis, on va avoir des fonds qui vont disparaître parce qu'on n'est pas en capacité de service public ou autre, de prendre en charge ce type de fonds. Donc moi, je suis très inquiet d'un trou qui ne fera que s'agrandir. Pierre, je comprends totalement ce que tu dis. Il y a François Borde qui levait la main, donc on va lui donner tout de suite la parole. Simplement, on pourrait imaginer que la Fondation Gabriel Péri qui anime ce séminaire, les institutions qui participent à ce séminaire, que ce soit archives départementales ayant de fait vocation d'archives nationales, puisque les AD 93 ont les archives du PC dans ce cadre-là, on pourrait imaginer aussi que l'IMEC, eh bien, on a un appel commun pour le dépôt de ces archives, alors dans les centres les plus proches, qui généralement sont les AD, et après, on pourrait imaginer quand même que le réseau des archives départementales puisse mettre en lien les chercheurs et puis les inventaires, parce que c'est ça, à un moment donné, il faut sauvegarder. Et je comprends très bien tout ce que tu dis, hein, et ces problématiques, on les a au quotidien. Je me tais, François, vous avez la parole. Oui, merci. Oui, c'est vraiment passionnant et très, très important. Je pensais en vous écoutant à la situation des archives de Lukács. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des problématiques de ce genre. Mais bon, on en est encore loin, heureusement. Non, simplement par rapport à ce que disait Antoine Aubert. Il y a tout un travail, hein, effectivement, quand on est en archives privées, qui est, alors d'une part, de faciliter l'accès aux archives privées. Alors, toute la problématique, Pierre Bochou l'a évoqué, hein, donc je ne fais que rebondir là-dessus, toute la problématique qui est la question de la publicisation des archives privées, c'est-à-dire des instruments de recherche qui peuvent être publicisés ou non. Donc nous, c'est des lents processus qui aboutissent, hein, au bout d'un certain temps. Mais on a aussi tout un travail, et ça, je vous invite, Antoine, qu'on connaît bien à l'IMEC, hein, aussi, à se rapprocher en particulier de notre service d'accueil à distance qui fait tout le travail, qui permet aussi de guider. Voilà. L'autre côté, eh bien, c'est un retour de quand même d'une longue expérience qui est celle du fonds Althusser. Ce sont les groupes de recherche et les associations d'amis qui font beaucoup avancer les choses et qui mettent énormément en relation. Et vraiment, un des exemples sur Althusser, c'est en particulier le groupe italien
les Althusseriana, qui fait vraiment un travail très important de recherche fondamentale à partir des archives, de mise en réseau, de mise en relation et de publication aussi, et même de republication, c'est-à-dire par exemple pour les œuvres et les inédits d'Althusser, ce qui est publié au PUF, voilà, quand c'est traduit en italien par les équipes de Vittorio Morfino, c'est accompagné de tout un travail scientifique avec une préface, par exemple, qui ajoute encore des choses. Donc vraiment, les réseaux de chercheurs sont vraiment fondamentaux là, de chercheurs, d'amis, aussi un peu de militants, hein, la question de la militance au sens large est tout à fait présente et importante. Voilà. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Je vois la main levée de Roger Martelli. Oui, c'est juste sur un petit point. Les bibliothèques d'intellectuels et de militants, c'est insoluble, hein, pour des raisons évidentes. Hein. Par contre, encourager à faire des inventaires de ces bibliothèques, ça c'est pour, j'allais dire, la recherche, l'élément le plus important, parce qu'on a moins besoin du livre lui-même, qui en général se trouve dans des fonds publics, privés, etc., que le champ des lectures de tel intellectuel, évidemment, qui là, pour le coup, est un élément important pour la réflexion à la fois historienne et intellectuelle. Mais les livres eux-mêmes, je crois qu'il faut renoncer quasiment à la récupération, sinon à la marge, pour ce qui manque. Pour ce qui manque. Oui, c'est ce qui... on m'entend ? Oui, 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 Jacques, on vous entend. C'est ce qui a été fait pour le fonds Foucault. Oui. C'est-à-dire, il y a un formidable travail à partir de ces notes de lecture, de recensions bibliographiques, de ces... Mais à ma connaissance, on ne peut pas dire qu'il y a quelque part dans une pièce la bibliothèque de Foucault. Donc, on a vraiment, avec le fonds Foucault qui est immense, et en particulier la partie du fonds Foucault où se trouvent ses notes de lecture, on a là toute la matière à savoir qu'est-ce qu'il a lu, qui cite, quelle référence, page temps, on a tout. Quoi. Donc ouais. Ça, le fonds Foucault est un bon exemple. On a une remarque également d'Annie Benarous, hein, que je remercie, qui est de dire, et je vous la retransmets à tous, recherche de témoignages de discussions spontanées, ne serait-il pas judicieux de s'adresser aux épouses, enfants ou amis intimes quand l'intéressé est ou disparu ou trop fatigué? Et elle donne une liste, Nadia Labika, Rachel Jéglé, l'épouse de Serge, fils de Valdecrochet, Jacques Bidet, pour Régine Robin, etc. Bien sûr, et c'est pour ça que me semble-t-il, on pourrait décider ensemble pour continuer, puisque au départ, on était parti des cahiers du CERM, et en tirant les fils des cahiers du CERM, on propose de fait une histoire du CERM, hein, et pas simplement une histoire, pas simplement le côté historien, on a des sociologues, des politistes, enfin différentes disciplines des SHS qui sont présentes. On pourrait imaginer que dans les suites de nos discussions, on puisse lancer cet appel. Alors, qui le reprend? Est-ce que c'est la Fondation Gabriel Péri? Est-ce que c'est un groupe de chercheurs? Peu importe. Du moment qu'on mette nos forces ensemble, me semble-t-il, qu'on est dans une logique de coopération, on pourrait y arriver. Je ne sais pas ce qu'en pense l'IMEX, qu'en pensent les archives départementales de Seine-Saint-Denis, mais ça pourrait être pas mal qu'on fasse cette demande ensemble. Jean ? Oui ? Dans cette perspective-là, puisqu'on a dit qu'on avait la liste de plusieurs centaines ou milliers de noms, sans aller jusque-là, je pense que la démarche qu'il faut avoir, c'est une réflexion qui a été évoquée par Jacques pour d'autres cas, mais en réseau. Et ces réseaux, en quelque sorte, les distribuer par rapport aux différentes sections ou groupe. Et là, imaginez effectivement une approche par groupe d'affinités, qui peuvent être des affinités scientifiques, amicales ou autres, ou les descendants que vous avez évoqués. Et là, lancer par un courrier collectif commun un appel à un certain nombre de manifestations. Et c'est là où je retombe sur un deuxième point qu'a évoqué Pierre,
c'est qu'il faut qu'il y ait une coopération archiviste et historien. Ce qui se fait, ce qui se fait. Ce que dans les thèses ou dans les recherches, les jeunes historiens trouvent comme piste, c'est bien que ça puisse être systématisé, organisé et structuré avec l'aide des archivistes. Et un groupe comme le nôtre, s'il continue, il faut qu'il y ait en interne une réflexion commune, historien archiviste, pour construire ce type de réseau ou d'enquête, ou de questionnaire. Ça ne va pas nous amener à trouver, sauf, pas miracle, mais sauf bonne occasion, comme ce que tu as vu avec les archivelles, on ne va pas tomber forcément sur un cahier du groupe ou de la section, mais quand même, c'est une piste qui me semble importante. Et il faut le faire quand même avec un certain sentiment d'urgence, pour les raisons qu'a dit Pierre, et qu'a dit aussi, je ne sais plus si c'est... Oui, enfin, c'est-à-dire les tendances à se débarrasser d'un certain nombre de fonds qui ne sont pas considérés comme essentiels, même par les bibliothèques qui abritent, etc. Voilà. Donc, moi, je serais, comme je tirerai quelques conclusions tout à l'heure, peut-être que ça fera partie des conclusions, si vous en êtes d'accord, si ça vous semble pertinent. Bien sûr. François. Oui, je me permets juste d'ajouter quelque chose. En tant à l'IMEC, délégué à la recherche à l'IMEC, et étant de formation historien, oui, absolument, vraiment, bien sûr, développer le dialogue entre archivistes et historiens. Et je pense aussi qu'il faut aussi dialoguer avec les philosophes. C'est-à-dire qu'il faut avoir archivistes, historiens et philosophes, parce que pour des questions, par exemple, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je dirais des trucs comme le marxisme totalitaire, par exemple. Je pense que les philosophes permettent de recontextualiser, bien sûr. Ce qui est toujours utile, naturellement, et important. Voilà. Merci. Je pense qu'on arrive à la fin de la matinée. On va vous libérer. Simplement, je vais partager l'écran également le mien pour vous montrer ce que l'on peut avoir. Je ne sais pas si partager l'écran, voilà, je le mets. Voilà ce que l'on peut retrouver qui est parallèle, hein, qui correspond à ce que Pierre vous a montré sur le site de Pandore de la MSH. Voilà, par exemple, le bureau politique du 17 décembre 1959, et on peut retrouver effectivement l'ensemble de ces sources, hein, qui sont mises en ligne, qui sont indexées, et l'intérêt aussi de l'indexation, puisque ça a été fait pièce à pièce dans le cadre de la, comment dirais-je, d'Abricot, hein, du financement Collecte Percée, vous pouvez retrouver effectivement son étude des recherches marxistes à la fois comme mot clé et d'indexation de ces archives. Voilà, rapidement, c'était juste une petite présentation complémentaire et je dirais en écho à ce que nous a dit Pierre. Donc je vous dis, on se retrouve on se retrouve à 14h tous ensemble. J'espère que Jean Huma nous aura rejoint. En même temps, j'essaie d'avoir des nouvelles au fur et à mesure. Mais en tout cas, à 14h, on reprend cette fois-ci après une première table ronde sur les archives et les enjeux de sources et de ressources. Tu es sûr de ton horaire? 14h ou 14h30? Comment? 14h. Oui, c'était 14h l'horaire, hein, on reprend à 14h. C'est pas parce qu'on a pris un décalage ce matin qu'on va mettre le décalage sur toute la journée. Okay, certains ont des trains et je sais que certains ont des obligations ce soir. On reprend à 14h puisque les collègues nous suivent soit sur Zoom, soit sur les relais réseaux sociaux, le Facebook Live de la Fondation Gabriel Péri. Donc, vaut mieux que ce soit 14h. Désolé, vous allez déjeuner un peu plus rapidement. Mais on parlera donc. Il y a un téléphone, désolé, c'est un peu bizarre. Et on reparlera cet après-midi donc, des recherches autour du PCF et des intellectuels avec Frédéric Matonti et Antoine Aubert. Essentiellement, ce sera animé par Marco Di Maggio. Je ne sais pas pourquoi mon nom était marqué, c'était peut-être à cause des débats
Althusser-Garaudy avec Waldeck, mais non, moi je n'aurai rien à dire, hein, c'est Frédéric et Antoine qui vont parler, questionné et interrogé par Marco Di Maggio, donc depuis Rome, et puis après on passera au témoignage qu'on a évoqué ce matin et qui participe aussi de cet enrichissement des archives, me semble-t-il. Rien ne peut se faire sans les témoignages. Étienne Balibar, Jacques Guillaumou et Annie Benarous seront cette fois-ci dans une table ronde animée par Roger Martelly, et puis Serge, comme tu l'as dit, tu feras les conclusions. À tout à l'heure, à 14h.